Mes amis, la société cause des chaises. Oligarques ont commencé à fâcher. Nèg yo commencé estomaqué, nèg yo commencé à voyer pied. À cause sanction, pays États-Unis et Canada prend contre yo parce que yo gen relation à gang, y a financé gang, y a financé bandi en dedans la République. Eh bien, gen youn nan parmi oligarques qui sanctionné yo, qui sorti dans silence li, qui voyait nan la communauté internationale là, même Nations Unies, qui expliquait en long et en large, depuis qu'il est lui-même, lui connaît, l'a participé avec même international, ça, nan chita, al parle avec bandi, nan tête collé avec secteur douamoun, secteur religieux de dans pays, pour permettre à ce que la police et la justice rive faire des armements et finir avec question gang. M'bral ba ou tout détail, yo nan un petit moment, puisque y a un pile parole qui parlait, et on pral connaît depuis qu'il est oligarque là, li fait connaît, li implique nan pacifier pays. Causément des chaises tout. Bon, yo l'autre bon gen ancien premier ministre, Jout Joseph. Qui nous connaît toujours paré pour faire un menjol depuis le jeune occasion pour le paraître devant micro la presse. Eh bien, hier, ancien premier ministre qui était allé participer dans l'audition que l'actuel juge d'instruction qui sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, Walter Président Voltaire, a été invité, eh bien, il n'a pas raté l'occasion ça pour le terreau et un titan en poids, ancien premier ministre Claude Joseph. Eh bien, nous prenons le gagner pour nous faire quelques petites analyses, quelques petits commentaires avec vous sous vidéo ancien premier ministre Jout Joseph. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant, je vais le mettre au courant. Eh bien, dans un moment, ça, il y a une pile autorité dans l'État. En pile ancien autorité qui passe dans l'État, qui monte un réseau, qui monte une association malfaiteur pour dépouiller diaspora yo de bien yo. Vole caille, vole terre, vole bien diaspora yo qui travaille dur dans pays étranger pour investir en Haïti. Eh bien, jodi an la, nous pral mettre lumière sous criminels sa yo, sous association malfaiteur sa yo qui en dedans la République. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous êtes? C'est avec un grand plaisir, comme d'habitude, pour m'arrêter dans l'émission, pour me porter information sur nous. Dans l'idée, pour ne pas rater aucun petit détail qui a dominé l'actualité. Jeudi, c'est mardi 27 juin 2023. C'est toujours un plaisir. Si vous pouvez abonner, si vous faites tomber sur ce channel-là, je vous invite à abonner, activer la cloche de notification et comme ça, vous ne pouvez pas rater aucune vidéo, n'a pas gagné et pour ne poster. Et pour charger pas copé, j'aime toujours aimer dire, nous porter information pour vous, nous pour analyser, commenter information avec vous, pour qu'on ait exactement qui s'est passé en dedans la coupe pays d'Haïti. Faut que moi dis nous honnêtement, politiciens haïtiens n'ont qu'à faire politique en dedans pays, ça, pas besoin de suspendre, épater nous, y'a pas besoin de suspendre, faire nous saisir, étonner nous tout, parce que, bon façon nèg yo comporter, bon façon nèg yo toujours utiliser avantage politique yo gagné sous adversaire yo. Eh bien, nous connaissons, et 7 juillet, cap bien pour venir là, après, elle fait exactement de l'année, 2 ans. Depuis oligarque corrompu, mettez à politicien haïtien, mettez avec mercenaires étrangers, parce que nèg yo te besoin pour pouvoir, nèg yo te besoin gérer pays. Yo n'y a pas ça pour yo te faire, yo pas de comment pour yo te faire, yo pas de vle à l'élection. Jean nous, ouais, transition là, nèg SDP, nèg André Michel, y a béré transition pour le pas finir. Eh bien, yo te planifié pour yo assassiner président Jovenel Moïse. Yo assassiner président Jovenel Moïse. Yo prend pouvoir yo, y a géré pouvoir yo, y a bien passé sous pouvoir yo, y a fait l'argent sous pouvoir yo, etc. Eh bien, dossier assassinat président Jovenel Moïse, qui connaît plusieurs juges d'instruction passés sous lui, juges d'instruction Gary Aurélien qui passait sous lui, qui était au cœur de scandale, jusqu'à ce que nous tombions sur actuel juge d'instruction ça, qui lui-même, qui montrait que li gagne bonne volonté, li gagne bonne foi pour instruction dossier pour le faire chimel. Pour le relais des séries de collaborateurs, anciens collaborateurs président Jovenel Moïse, pour le relais des séries de monde qui étaient proches pouvoir, pour le relais des séries de protagonistes monde qui étaient en face président dans opposition politique là, malgré que Mpoko Wé André Michel paraît dans cabinet d'instruction, nous Mpoko Wé divers l'autre opposant politique qui étaient acharné tout griffio de dehors
Nous pouvons voir apparaître dans le cabinet d'instruction. Nous pouvons voir l'actuel Premier ministre Ariel Henry qui comparaît pour juge auditionnel. Nous pouvons tendre, nous pouvons voir l'invitation qui lance par ancien président Michel Martelly, Bofrel qui concerne Rémi. Nous pouvons tendre l'ancienne première dame Sophia Martelly. Parce que c'est une série de monde. J'entends des clameurs publiques là, déclenche la Yabdou, faut qu'on invite Nenel Kassi, faut qu'on invite Don Kato, faut qu'on invite André Michel, c'est des séries de monde, même gens tout, clameurs publics là, la guette de Guido Nodé yo. Est-ce que moun sa yo bénéficie de l'immunité? Nous pas tant de juges instruction qui sous dossier, Walter Wessel Voltaire, li invite ancien ministre intérieur à collectivité territoriale là, non, le Gonzac Dey. Si m'pa trompe, m'se Gary Aurélien, l'elte juge instruction sous dossier qui t'a invité. Mais depuis le dossier assassinat président passé de juge en juge, de juge en juge, jusqu'à ce que Kounia, oui, l'en a gardé et travaillé juge instruction Walter Wessel Voltaire fait sous dossier a marché. À petit pas, la marché lentement, pas de tortue, etc. Mais la marché quand même. Mais il y a des séries de moun là qui se depuis incontournable dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Fuck la justice tande yo. C'est des séries de moun, tout pays a tonne. Tout pays a tonne, diaspora a tonne, tout moun chita a tonne pour yo t'attendre. Juge instruction qui sous dossier a invité Madame Martelly, invité Martelly, invité des séries de moun qui t'ai participé, des séries de moun non y a cité dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais nous pourquoi wel? Moun sa yo question a posé, est-ce que c'est parce que yo proche pouvoir? Est-ce que c'est parce que yo bénéficie de quelconque immunité? Mon baoué de qui immunité yo te ka bénéficie? Nous obligé de poser question, c'est question a posé. Nous pas là pour nous dire juge, mais comment pour le faire travailler? Mais ce qui est sûr, c'est que moun sa yo, jounen jodian, c'est des séries de moun qui tellement gagne petit détail petit grain sel pa yo qui tellement gagne parole k'ap di sou yo dans dossier assassinat président Jovenel Moïse li important li extrêmement important pour juge instruction entendez yo et moi même te di un bagay qui extrêmement important dès le départ dans dossier assassinat président Jovenel Moïse l'autre ancien DG la police Léon Charles journée jodi a k'ap bien passé qui dans diplomatie etc. Son monde qui était supposé en côté pour machine pas frappe pour la réfléchir même Jean Dimitri Erreur même Jean et Jean la guerre civile etc. Yo dans pénitencier national là était supposé en côté la réfléchir l'autre ancien ministre intérieur à collectivité territoriale là Louis Gonzadey c'était un nom moun qui était vraiment indispensable, important même pour contrôler la sécurité intérieure pays. Qui a contrôle port, qui a contrôle aéroport, tout rentré à sortir, qui a fait dans le pays en tant que ministre de l'Intérieur. Un groupe mercenaire rentré dans le pays, comme si nous ne connaissions rien, nous n'avions aucune information, jusqu'à ce qu'ils assassiné un président, et jusqu'à présent, ils sont en liberté, ils pas de côté, ils mettent pour réfléchir, ils pas de côté pour mettre pour bailler des informations, bailler des détails. Eh bien, qui immunité n'est pas bénéficié? Est-ce que c'est des alliés du pouvoir en place? Est-ce que c'est des mouns qui ont des pouvoir, même les ou pas officiels dans le pouvoir? Qui s'abagaille là véritablement? Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de résultats. Nous-mêmes, nous avons besoin de gain inculpation qui fait, gain mouns qui arrêté. Premier ministre Ariel Henry, l'ancien commissaire gouvernement Bedford Claude, était choisi pour l'enquêter sur relation, sur proximité Ariel Tagen avec avec présumé auteur intellectuel assassinat et comment le relé et avec Badjo Félix. Donc par rapport avec situation ça, l'elle te décidé pour l'inviter premier ministre Ariel pour le temps de Ariel Henry sous dossier assassinat pour lui parler, venir bailler des détails, venir expliquer ça elle te connaît et sous dossier là mon président, comment elle te fait dans communication constante avec Badjo Félix, qui ça elle te fait, pas révoquer ou te révoquer et pas révoquer Rockefeller, te révoquer Bedford après Ariel, d'après révoquer et Rockefeller Vincent. Nous comprenons la situation. Donc, je ne dis pas, actuel juge d'instruction qui sous dossier, il y a un pouvoir discrétionnaire. La loi Bali a ses pouvoirs pour inviter le Premier ministre Ariel Henry. Oui. Pas venir avec argument, Ariel son haut fonctionnaire, Ariel ta ceci, Ariel ta cela. Juge a un pouvoir discrétionnaire pour inviter Ariel dans le cabinet d'instruction pour le Ariel Henry. Donc, comme si pour que j'aime bien au monde que oui, c'est vrai, l'instruction est secrète, l'instruction dossier est secrète. Et hier, si nous constatons, et après que l'ancien PM joue sorti,
dans audition li dou que juge instruction li ton tige sévère avec lui juge instruction li était vraiment dur avec lui sous dossier mais malgré ça il pas tenu pour dire mais qui ça juge était tout le monde qui sorti et dans audition juge instruction yo yon pas cadeau mais qui ça juge était parler avec mais qui ça juge était parce que instruction li secret c'est vrai. Mais pendant que l'instruction se fait, nous pas besoin qu'on ait qui sa juge a pral di avec moun sa ou nous société là, nous ta remè ouè que juge a invité. Mais l'essentiel c'est que la République ta remè ouè moun sa ou a défilé rentrer dans le bureau juge dans le dossier Jovenel Moïse. Parce que yo tout gagné de quoi pour yo di. Yo tout gagné de quoi pour yo di. Eh bien, hier, gagné ancien premier ministre, Jout Joseph, qui lui-même li débarqué dans le bureau. Juge d'instruction et qui sous dossier assassinat président Jovenel Moïse Walter Wissé Voltaire suite avec yon invitation convoqué li pour li venir répondre question pour yon auditionnel li aller mais par rapport avec ça dit la presse par rapport avec intervention ancien premier ministre Jout Joseph qui toujours était égal à lui-même n'importe côté le passe depuis gen la presse qui la média là li pa jamais raté occasion pour le faire un men jol pour le montrer que li te chef et le pas chef encore mais le toujours gen tempérament le toujours gen mentalité chef et bien hier qui ça le fait premier ça le fait li pa raté occasion qui selon moi-même pour le target ou bien pour le voyer un petit terre en poids ancien premier ministre Claude Joseph. Suite avec déclaration Joutlan qui fait qu'on est que s'il était premier ministre c'est sous fiel li pour yo ta passé avant yo rivé assassiner président Jovenel Moïse etc. Donc moun qui était là le président est assassiné donc c'est comme s'il était doux moun sa yo qui était barrière li moun sa yo pas te faire pas te lever le petit doigt pour te défendre ancien premier ministre et ancien président et Jovenel Moïse. Donc est-ce que gen guerre froide entre et Jout Joseph avec Claude Joseph est-ce que gagner on tire à les cordes on tire cordes tirer on tire couteau tirer entre deux anciens premiers ministres ça nous pas connaît mais ce qui est sûr c'est que par rapport avec les déclarations Jout Joseph là nous déjà comprendre que ancien premier ministre lui-même li pas fini li pas digérer le fait que li était allé il était démissionné pour Claude Joseph vienne assurer et intérimaire vienne continuer gérer tête primature là pendant que assassiné président Jovenel Moïse alors que Claude Joseph était premier ministre. On nous revive avec moi et quelques questions ancien premier ministre Jout Joseph lui t'a répondre dans micro tac 509. On nous regarde. Ouais. Bon, je suis un magistrat qui est serein et qui est non seulement serein, mais qui a fait travail. Mais quel est le dossier que vous avez été plutôt là? C'est sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. À quel titre? À titre de une bonne information. Mais quelque chose a été passé. Est-ce que vous estimez que le juge lui-même a bien indiqué des détails pour Bali? Bon. Le magistrat est un peu dur, mais c'est son travail. PMD, deux ans après, vous sortez ou pas dans tête prématurée, encore dites-nous, comment on comprend la situation économique, politique, pays? Catastrophique. Vous avez encouragé pour lever séparateur et subissant. Comment vivre le drame, je dis à nous, la vie, et vous avez dit envie à ton plaisir en bas. Ça, c'est un chiffre faux. Ça, c'est un chiffre faux. Je réponds à une question ça déjà. C'est moi qui ai mis séparateur, sauf que. Et bien, je demande le verre. Comme vous avez besoin de la police, jusqu'à présent, je besoin de la police. Jusqu'à présent, je demande la police. Faites job pour mal jouer basket là en bas. Est-ce que vous avez un ancien premier ministre, dites-nous qui ont une évolution politique ensemble avec le social PA, qui est tout fait de lui? Mais ça saute aux yeux, tout le monde voit ça qui a passé. Nous pas qu'à vivre et personne n'a pas qu'à continuer de vivre dans cette situation. Qu'est-ce que tu as fait? Que le gouvernement prend responsabilité. Est-ce que vous pensez que l'ancien président Jovenel Moïse a besoin de justice? Et sous groupe, moi, magistrat, je pense que l'a fait ça le café. Nous, avec la famille Martine Moïse, nous avons accusé le juge là, mais nous acceptons quand même de le devant. Écoutez, qui sont venus me faire? Magistrat a convoqué, il ne dit pas venir. Nous tournons aux questions. Est-ce que vous pensez que je gagne assez de pouvoir, assez répondant?
mon juge d'instruction convoqué, il me dit le pas venir. En tant qu'ancien chef CSPN, est-ce qu'on pensait si toutefois ou t'es toujours premier ministre, ça qui arrivait et président Jovenel Moïse, est-ce qu'on estimait ça qui n'est pas arrivé? Sous cadavre, on t'a passé. Comment expliquer ça? Sous cadavre, on t'a passé. Et ça me gâte où? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, il fait ça, il connaît, il fait ça, il est capable. Est-ce que d'après vous, même c'est livré au livre? Ben, je n'ai pas accusé mon pour ça. Je n'ai pas droit ça. Toutefois, vous avez pour retourner devant le juge? Ah non, autant de fois, je l'ai là. Bon, monde qui condamné dans le cadre de procès, dans le cadre d'assassinat de Jovenel Moïse, comment vous avez condamné sur ça? Ben, écoute, je peux remercier le gouvernement américain, la justice américaine qui fait pour ça. Je suis content. Et là, m'attend que le magistrat tout li avance dans l'enquête là pour commencer par condamner mon tout. On va accuser pour l'accusé actuel pour une mission d'après avoir des communications avec des suspects. Qui ça dit? Ben, probablement si j'étais dans la place pour le ministre, j'étais venu devant la justice pour m'éclaircir ça et puis me finir. Toutefois, parce que le premier ministre n'a pas peur pour non pas citer ou bien pour non pas parler sur liste non monde qui est ancien premier ministre. Bon, moi souhaitais que le premier ministre lui arrive à mettre un minimum de sécurité dans le pays pour organiser l'élection, pour remettre en place tout personnel politique que le pays a besoin, parlement, mairie, président et puis député. Vous pensez sous vos responsabilités dans le drame de sécurité pays à vivre? Ah non. Je vais quitter le comme ça. L'homme te prend, il était mal, moi j'ai amélioré. Et malé, deux mois après, nous faisons contre gagote, nous, monsieur le président, gaz à gauche, gaz à droite. Amélioré dans quel niveau? Comment? Même t'es amélioré, l'homme premier ministre. Est-ce que nous songez ça? Personne ne va te marcher dans le pays, t'es une barricade de tous côtés. Moi t'ai retiré. Et pas de jambes de barricade, mais pas de jambes de manifestation violente. Pendant que je suis premier ministre. Je suis diminué considérablement et je suis pris des mesures. Tout. Par exemple, vous songez, mais je ne suis pas nous ne pas avec. Parce que nous pas d'accord, machin vite nous déteindre, tant que la machine est là, et nous pas d'accord, nous avons figuré, nous sommes fâchés contre moi, et nous fermons pour ces marques. Jusqu'à présent, je dis que je ne vais pas donner ça, mais comme je ne suis pas premier ministre encore, c'est réellement des premiers ministres levés. Levez mesure ça. Pour l'histoire et pour la vérité, qui est-ce qui a levé barricade, qui a levé séparateur? Parce que l'ancien ministre de justice, Alexandre Delisle, est accusé, c'est sous mairie qui a levé barricade. Mais écoutez, je suis premier ministre, pas grand rien qui a fait dans le pays, je ne suis pas au courant qui est-ce qui fait. Ça me regrette ça pour. Et c'est pour ça que si je suis premier ministre, toujours sous cadavre, je suis passé pour le président. Parce que je suis obligé au courant. Eh bien justement, séparateur, oui, je connais qui est-ce qui a levé. Sauf que je ne choisis pas dire ça. Non, parler de sous cadavre. Vous voulez parler de Lik Mandel qui t'a levé? Non, m'dou, mais choisi pas dit qui moun qui t'a levé. Même pas quoi c'est Lik Mandel. Bon, mais on passe tout doué la République pour ça. Non. Je pensais que ça qui est important pour doué la République que on sait histoire dit au moun qui t'a levé. On barricade ça va l'utile, je veux dire. On nous chercher ça qui utile. On nous cherche à mettre tout le monde ensemble pour voir si nous sortons du pays. Mais l'information, ça n'a pas pu l'aider. Mais est-ce qu'on peut nous voir encore et ancien premier ministre, soit dans un parti politique ou bien candidat à la présidence? Est-ce qu'on compte? Malheureusement, je ne suis pas un politicien. Je ne vais jamais rêver ça dans la vie pour être un politicien. Mais je suis un technicien qui a fait politique. Je vais continuer à faire politique. Je vais continuer à réfléchir à mon qui a fait politique. Et puis, il y a un pile parti politique. Je n'ai pas besoin de former. Je vais entrer dans un qui là. Durant nos paroles là, qui sont faits, qui sont réglés. Génie civil, m'a fait caille, moi dans construction, m'a fait route. C'est ça que métier. Donc vous avez un avocat avant? Bien sûr. Qui est-ce? Et Maître Leblanc. Camille Leblanc? Oui. Et vous seul? Mon seul. Alors, t'es qui l'autre? Problème encore, appétit, et vous êtes là? De attit informateur. D'accord, merci beaucoup. Là, nous sommes tendés et gardés ancien premier ministre Joseph Jout, qui lui-même l'étape mette point sous IO dans ça qui vient pour avec compréhension et suite avec audition sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. En tout cas, nous connaissons déjà Haïti en son pays difficile par rapport avec comportement, réaction des hommes politiques, des séries de nègres qui passent en deux dans l'État, qui par exemple suspendent, surprendre nous. Et nous comprenons que Negisit,
c'est là yo pas dans pouvoir yo gèt wè comment yo ka fè bay yo reprendre depuis yo dehors pouvoir yo wè pas a plus b a plus b yo wè toute formule là qui ça ka bay comme résultat mais koune yo en dedans mo garanti yo pas régler rien yo pas faire rien qui sérieux et pays a continuer plonger sombre dans ka occulté là l'été là déjà donc bah yo pas fin trop bon et nous connaît déjà mais dossier assassinat président Jovenel Moïse li évident que et c'est pas dernière fois nous avons pour nous wè jout qui paraît dans cabinet d'instruction et nous espérer c'est pas seulement jout qui gagne pour le paraître dans cabinet d'instruction mais n'attend pour nous wè qui ça et kabay et comme résultat final ça qui gagne pour avec diverses catégories moun cap gagne pour inculper dans dossier cela. Avant nous continuer avec dossier qui gagne pour avec oligarque dossier qui gagne pour avec et kay diaspora des séries de moun et qui était autorité qui actuelle autorité qui ancien autorité dans l'état yo monté une association malveilleur yo monté un réseau pour voler kay diaspora yo et bien nous pral garder avec moi et yon entrevue qui réalisé avec yon et yon ancien yon professeur l'école qui pas mettre de l'eau dans bouchie pour mettre dehors ralbol li gen de situation paysan de insécurité de façon autorité l'état yo a géré et professeur yo l'école yo mon yo a travaillé pas ka toucher son situation extrêmement difficile ou non pays ou pas gen relo pas gen répond mais l'on choisi faire sacrifice ou choisi dormir ta lever bonheur pour wè qui soit ka joine nan fin mois pour mettre sous table en bas couver plat pour permettre à ce que petite madame maman papa frère soeur qui sous compte yo joine un petit qui choy et puis on va saisir ouais même l'état ça même société ça qui mande pour faire sacrifice même société ça qui impose pour faire des sacrifices c'est eux même encore qu'a voyer tête dans poids c'est même l'état ça qui crée conditions pour bandi prend pays pour bandi a ferraille dedans pays ou même qui malheureux malheureuse ou style malheureux malheureuse ou style pas ka manger situation en vin plus critique donc on nous regarde ensemble cri détresse enseignant c'est là Jean Babie coordinateur général organisation sociopolitique le peuple je dis à nous sentir nous souffrons à cause de l'hypocrisie des leaders politiques organisation de base et empêcher de dire vérité. Et donc, jeune garçon, mourir, jeune femme, mourir, la faim, on a balle, insécurité de toutes sortes. Je dis à nos points, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'unique. Bon rapport de force qui existait entre Haïti et l'Occident, par rapport à contentieux, ça qui est au contre nous-mêmes, lorsque nous sommes chambalés le système esclavagiste à travers le monde. Côté économie mondiale, là, c'est déposé sur ça. Maintenant, peuple haïtien, sous vérité absolue, nous parlons de rapport de force, tant sur le plan militaire, économique, culturel et politique, pour nous renverser, pour nous asseoir le gouvernement vraiment national. Nous avons imposé nous depuis 1915. Maintenant, quoi faire aujourd'hui? Par rapport à dernier événement qui vivait dans le pays il y a 15 ans, pour nous battre 20 ans, nous remarquons l'Occident en particulier, il faut être bien fort dans une série de bagailles comme crime économique et une tendance même crime de sang. Et par rapport à toutes ces choses, nous devons dire soit nous jugeons, si nous ne pas juger, nous allons amnistie. Dans les paroles, ça ne va pas parler, nous devons mettre nous dans ces milliers de personnes qui nous ont mis pour sortir par les bouquins, mettre nous dans notre cas, nous devons pas travailler. Nous sommes techniciens de construction bâtiment. Je vais vous enseigner, je vais grand goût. Maintenant, il y a deux bagages façon de mourir. Soit on mourir ou dit vérité, ou on mourir sur le champ de bataille, ou on mourir en lâche. Je vais décider de mourir en brave. Je dis à bien dit vérité. Vérité à net, ok, amnistie générale. Pour tout le monde qui fait crime économique et crime décent dans le pays. Mais il n'y a pas sans condition. Oui, il y a conditionnel. Il y a des conditions et conditions sans le bagage au public. Parce que politique, l'État va faire de manière publique. Et je dis à si le gouvernement est intéressé, l'autre parti politique est intéressé. Il n'y a pas fait hypocrisie. Il y a une côté nous. Il y a dit, mais ça nous gagne déjà pour nous. Pour nous capables de porter solution. Il y a affaire et crise sociopolitique et pays à traverser. Il y a dit, mais pas ici. Il n'y a pas ici. Pas qu'à gagner l'élection dans le climat, ça. Quelle que soit l'élection qui fait avec l'Occident, il va mettre une balle. Et les partis authentiques de ce pays, pour le revendiquer, on ne se paraît plus que normal. Plus que normal, on va gagner la nation. On ne peut pas faire amnistie générale. Pas de réconciliation nationale. Et pour venir des mouvements, ou venir de Maxi Mati, ou venir de toute qualité de bagaille qui n'est pas compatible à
Andrea Ped sorti dans silence. Andrea Ped, c'est une parmi un pilote oligarque qui dans les sanctions Canada. Qui est-ce qui va connaître Andrea Ped? À moins que tu aies un petit bébé qui fait, et soit suivre politique en Haïti depuis bien longtemps, depuis l'époque Lavalage 2004, groupe 184, et on a une bonne idée de qui est qui André Aped. Eh bien, non, non, note pour la presse que André Aped l'y mette de yon. Li fait connaître que li écrit note ça, non seulement pour parler avec compatriotes haïtiens, mais pour parler tout avec collaborateurs, famille, parce que et faut qu'il y des explications sous dernier communiqué que ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly li publié côté que yo sanctionné André Aped, yo metel nan lis moun ka finance gang, ka finance bandi qui participait dans violer droit moun nan paysan et qui contribuait nan permettre à ce que gagne des violences sexuelles qui faites sous femme active. André Aped commence pour le dire que lui-même lui son citoyen américain qui est engagé dans position pour le permettre à ce que une résolution pacifique qui fait de graves crises que n'a connait journée aujourd'hui dans pays. Bien que le connaît gain acteur politique ak société civile ak membre dans société civile là qui au même tout yo a fait effort pour permettre à ce que sorti dans crise. Bref. Eh bien, non communiquer ça dans note ça que André Aped lui publié hein. Li explique en long et en large combat la mené depuis bien longtemps pour le permettre à ce que pas gen gang dans pays pour le permettre à ce que gen désarmement qui fait dans pays. Li comprend très mal que des séries de moun li kon collaborer avec yo tant qu'aux États-Unis, tant qu'au Canada pour journée aujourd'hui, c'est même Canada ça qui prend qui mettel sous liste. Et ça qui est plus grave là, sous liste, même liste avec des séries de chefs de gang, même liste avec des séries de chefs mafieux, même liste avec Iso, Vite l'homme, l'homme sans jour et la trier. Des séries de monde qui ont même affaire haïtien mal, des séries de monde qui participent dans la crasse des pays, dans tout le monde, malheureuse. André Aped lui fait connaître que, il y a bien longtemps depuis l'a aidé. Communauté internationale là, et précisément pays Canada et surtout tout ambassadeur canadien qui passait yo sauf actuel ambassadeur canadien qui là Sébastien Carrier li pas rencontré li rencontré tout ambassadeur yo depuis 2004 parce que li même avec secteur droit moun nan pays yo li même avec secteur religieux nan pays yo gen divers chefs police qui passait en dedans d'institution la police comme DG yo chita parlé yo concerté yo fait réunion dans l'idée pour te permettre à ce que gagne des armements qui fait et dans combat t'a mené dans aide dans coup de main que t'a bail la police t'a bail paysan il fait connait que gagne 10 gagne dans travail il t'a fait pour permettre à ce que gagne des armements qui fait il dit que
li même avec deux représentants des Nations Unies, li même avec des personnalités dans secteur droit moun, des personnalités dans secteur religieux, yo té rivé faciliter gagner 9 chefs gang qui t'ai accepté non première étape pour yo remettre zam yo. Yo té rivé 9 chefs gang za yo té rivé déposer 10 zam à feu sans condition. Donc li considéré tête li André a peine considéré tête li comme un entremetteur, li considéré tête li comme un monde qui te permet à ce que négociation entre la police, chef gang, société civile là avec représentant communauté internationale là et yo te faciliter désarmement dans pays etc. Li considéré effort ça yo que il te fait de manière et antécédent ça que t'es fait, yo t'es contribué à mettre sécurité en dedans pays, à rétablir sécurité dans pays dans un premier temps. Là la parler de travail que t'as fait en 2004. De 2004, mon cher André Appel, de 2004 à 2023, regardez combien de temps qui passe entre-temps. Gardez combien années qui écoulé. Donc je dis là n'a parlé de une situation qui est extrêmement compliquée côté que et gang fin prend pays en net côté que noir sur blanc gagné et plusieurs hommes politiques gagné des séries anciens parlementaires gagné moun dans secteur privé des affaires là gagné oligarque corrompu qui participer dans financer gang qui participer et dans bail gang yo moyen gagné des séries de gros chefs et dans secteur privé des affaires qui yo même yo dou yo pas peur yo pas crainte pour yo relé et chef gang yo pour yo relé nèg za yo agent communautaire yo prend équipement matériel dans business yo vendre bay nèg yo pour distribuer etc. Oui ou ka di c'est tel c'est XYZ parce que dans même communiquer ça et André a peine mettez de yo li aller plus loin pour le faire connait que au risque li même avec famille collaborateur moun k'ap travay nan entreprise yo victime li te pren décision pour yo pa bay aucun chef gang aucun moyen parce que nous connaît ki logique ki gen sou gen business sou gen entreprise ou nan zone nèg sa yo nan fief nèg sa yo nan périmètre nèg sa yo ou supposé a payer l'argent pour yo protéger business ou supposé a payer l'argent pour yo pa casser business ou etc. pour yo protéger entreprise ou et bien André Appel li fait connait que lui-même avec tout collaborateur li moun ki nan entreprise yo te prend disposition pour yo pa bay yon péniche pour yo pa bay yon centime pour yo pa bay yon dollar avec aucun chef gang parce que yo te estimé ça ka contribuer nan krasé pays etc. Donc jounen jodi an pour le finir dou li comprendre que et li comprendre très mal que pays Canada prend sanction contre lui-même et li rejeté catégoriquement toute accusation ou bien suspicion, attendez ça le dit hein, oui, deux mots, accusation ou bien suspicion. Et li rejeté catégoriquement que l'État contribué non climat insécurité, non climat de corruption dans pays hein, qui est compatible avec travail que l'a fait puisque depuis des décennies l'a créé travail dans pays hein, et formule créé en pile travail dans pays hein, depuis près de 71 l'année. Donc li pas d'accord que ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly et prend sanction contre lui alors que entreprise business li gagne en pile relation avec Canada gagne en pile relation avec États-Unis. Donc pour te fini il fait connait que li invite pays Canada pour yo rechercher soucio pour yo aller dans soucio encore pour yo venir avec des faits avérés parce que là c'est accusation c'est suspicion yo pas gagné rien yo pas gagné aucune évidence yo pas gagné aucune preuve de ça yo avancé. Donc c'est ça dans communiqué dans note que André Appel dans mettez dehors c'est ça lui expliquer là dans lui en l'or et en l'âge. Donc ou même ou gagné pour poser cette question et est-ce que 2004 c'est 2023 en 2004 c'est vrai groupe 184 nous connaît qui implication yo dans chavirer pouvoir la valasse dans voyer la valasse Aristide aller et bien journée jodi en là et
si n'a regardé 19 ans après que il a la finale 19 ans après que groupe 184 André a perdu Jean-Henri Becker réalier consort depuis l'heure où t'es doux yo tapé aider l'état haïtien yo tapé des PNH pour faire des armements mais et si à l'époque de 2004 t'es gen 9 chefs gang qui t'es bon chef gang ça on ka relé yo si pour moi prendre le ka dit et bandi pour le pété yo 9 chef gang dou yo bay PNH 10 am. Je ne jodi an, est-ce que nous avons une idée? Est-ce que nous avons une idée de qui quantité zam, de qui quantité munitions qui a circulé en dedans pays? Est-ce que PNH, est-ce que groupe 184, est-ce que André a pet gon idée de qui quantité zam, par combien 10 am ça que bandi ça a été remet PNH, par combien multiplié? Est-ce que nous avons une idée? Et ça qui est plus grave, là, c'est leur attendre que, c'est leur attendre, c'est des entrepreneurs, c'est mon qui fait business en Haïti qui a franchise, qui a permis à ce que ZAM rentre dans le container, ZAM rentre dans le port pour yo. C'est mon qui dans le secteur politique, l'ancien ancien parlementaire qui a bénéficié de l'immunité, ancien conseiller président, ancien premier ministre qui a fait ZAM rentre, qui a acheté ZAM et puis ZAM a jeune bandi, etc. C'est eux même qui a facilité l'insécurité, c'est eux qui a facilité bandi pour un pays. Et puis, je vous dis, nous même en tant qu'haïtiens qui tendent des paroles ça yo qui tendent des accusations ça yo qui tendent des sanctions ça yo que Canada États-Unis et très bientôt Nations Unies a gagné pour prendre compte diverses personnalités ça yo pour continuer à rester bois croisé à regarder moi m'a dit honnêtement le fait que et système justice le fait que nan jou qui sont passé là nous voit que règne impunité en livre les fini parce que le juge d'instruction Martel Jean-Claude li décide pour poursuivre, il décide de rendre ordonnance pour poursuivre ancien sénateur Yuri La Tortue. Ha, ancien sénateur Yuri La Tortue, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, comme homme politique en de la République, c'est un homme fort en politique. Ça nous connaît, d'accord avec, pas d'accord avec, remel pas remel, son fait liaison, vérité absolue liée. Donc là, ça, ça pour nous dire, on a dit, ordonnance rend contre ancien sénateur Yuri La Tortue pour corruption, pour détournement, pour voler l'argent l'État. Ordonnance rend contre ancien sénateur Joseph Lambert pour entrave à la justice, obstruction à la justice, etc. Ça, c'est comme si on voulait d'où. Ordonnance ça qui voyait deux anciens sénateurs ça pour juger devant un tribunal criminel. C'est comme si on d'où que règne impunité allait presque finir en Haïti. Mais ça ne faut rien. Le ou prend juge d'instruction Jean-Wilner Morin qui rend ordonnance dans le cadre de massacre Saline contre ancien directeur ministère de l'Intérieur collectivité territoriale Fennel Monchéri. C'est comme si yon règne impunité, l'yon vle metton fin avec des séries de gros bras, des séries de moun qui influent des hommes forts en politique en Haïti, koun yon wè se ordonnance ka pran kont yon même. Est-ce que c'est impunité a pral fini? Est-ce que gen justice pour tout ça équitablement, inévitablement? Qui ça pral fait? Et c'est là pour nous poser question. C'est là pour nous poser véritable question. Qui suivi pral fait de ordonnance ça? Oui, kagen appel qui fait de ordonnance ça. En dépit de ça, comment dossier ça a fini? Comment dossier ça a fini? Est-ce que c'est début de la fin de l'impunité en Haïti? Qui sait nous pas connaît? Et hier, faut moi dit nous tout. En parlant de Fidel mon chéri, bizarrement, je remarque pas trop Fidel mon chéri sous table avec Rose Monge parce qu'elle n'a pas raté l'occasion. Depuis qu'il y a une conférence de presse, point presque. Heureusement, j'ai baillé tout vini là, tout, pour l'attaquer, pour le dénoncer, etc. Hier, bizarrement, par contre, si c'est ordonnance, et si c'est mandat d'amener, disons, qui derrière est fait dans mon chéri, hier, bah, ouais, ancien déjà, papa. Et là, nous prenons toucher un point qui est extrêmement important. Et c'est presque chaque jour, je viens des doléances sous ça. Moun qui dans la diaspora, qui a écrit, qui a prélé, qui a quitté message, des séries de moun qui passe presque toute vie yo à travail du neige pas neige et yo dans la rue hein yo prend travail cyclone pas cyclone yo dans la rue hein y a travail pour qui raison pour y acheter caille pour y acheter terre en Haïti pour yo aller mieux leur prend retraite yo pour yo ka vinn dans pays yo vinn passer ti restant yo etc. Eh bien bon paquet malfrat gon paquet volé criminel dans l'état qui a utilisé pouvoir statut yo ou reprendre position yo pour yo dépouiller pour yo voler pour yo casser pour être moun qui travaille du dans diaspora c'est pas ni deux ni trois moun qui a voyé doléance qui a mandé faire message passer pour yo parce que yo pas capable encore moun qui a dépossédé yo moun qui a volé bien yo moun qui a volé terre yo moun qui a volé caillou moun acheté en première fois yo fait l'acheter en deuxième fois
yo fait lâcher l'autre troisième fois, yo tant ni commencer faire sol Kailan, ni vle mettre bloc etc. Après yo vini yo déposséder yo prend Kailan. Eh bien journée jodi an là, gien Rosemont Jean qui toujours lui-même li paré pour le dénoncer, eh bien li touché point ça. M'pral payer message ça c'est pour diaspora yo. Son point qui est extrêmement important faut pas négliger. Ou pral joindre des séries de noms, ou pral joindre diverses personnalités en dedans l'état qui yo même yo fait partie d'une association, d'un groupe qui a volé carte, qui a volé bien moi. Eh bien, on nous suivre avec moi, m'a quitté nous avec Rosemont Jean, rendez-vous à la casser demain dans une autre émission. On nous garde. Nous avons un paquet gros chef. Gros chef. Les anciens ministres, les anciens directeurs généraux qui rentraient qu'à voler bien diaspora. Et pour me pas dire nous Genoyo, c'est à travers un pile indice montré, yo tue un pile avocat là-dedans. Tant qu'on met mon feuillet d'oval. On devrait tribunal yo fonctionner, pour nous montrer, mais les nèg k'ap volé bien moun, yo pa gen ni titre, ni qualité, ni papier, yo pa même avocat. Pas oublier, met mon feuillet d'oval, mettez dehors, un rapport t'a pral sorti, 300 avocats qui pa gen papier. Et parmi yo, c'est des gros nèg, nèg qui d'ancien ministre, qui dit yo t'es ministre, et puis pa même gen papier pour yo faire droit. Et t'as marché voler bien moun, des milliers. Moi-même, j'ai un procès qui t'a dû passer dans le tribunal civil qui valait plus à 15 à 20 millions de dollars américains. Et c'est chef qui volait bien, yo. C'est moun qui juge qui n'a bien, yo. L'autre, quand madame Bok, t'es l'eau. Kaye kote li te Vivi Michel, c'est Kaye. L'aller, propriétaire à l'étranger, li baye moun yo 40 000 dollars ici, li fait gardien sorti pour possession Kaye. Nous gagnons Covington la Boudouze. C'est même pas. Nous gagnons monsieur Jean Risséan. Nous avons proposé à Jean Risséan. Il bloquait tout le système. C'est lui qui a nommé juge, c'est lui qui a nommé commissaire gouvernement. C'est lui qui a eh bien, pas de moyens pour vous. Nous gagnons Camille Leblanc. C'est de vous dire nous avons des grands dossiers qui marchaient déchets pillés, volaient bien mon yo. Nous avons des titres là-même. Titre de population enregistré, transcrit. Là, on y va. Là, nous avons des cas là. Nous avons des caisses qui vont. Nous avons des Camille Leblanc qui vont nous là. Camille Leblanc pas de papier, pas gagné, mais le vent kay la. Ou monte là, nèg organisé très bien. Camille a volé bien moun, c'est un passé bien. Mais femme je nous tribunal, femme je nous côté, qui m'établit pour montrer est-ce que kay sa, propriété sa, diaspora, propriété, mettre li pas en Haïti, li à l'étranger, même en d'album moun, pour me défendre moun sa, voilà que tribunal là, pas fonctionné, et yo fermé, c'est yo dans pouvoir. Faut nous connaître, nous fini là, faut nous connaître. Même lorsque vous parlez d'État au conseil, mais c'est vous qui faites des ministres de justice, c'est vous qui nommez commissaire gouvernement, c'est vous qui conseillez ministre et premier ministre, eh bien, il y a déchirpillé les gens, il y a dévossé les gens de bien, alors que nous parlons de côté pour nous permettre pour avocat nous défendre le droit de nous. Et c'est pour ça matin encore nous attirer l'attention publique là pour demander l'État pour qui ça, vous fermez section ça qui est dans le système judiciaire, qui c'est ça, vous section civile là. Oui, il a fait des grimaces, soi-disant, il a fait audience correctionnelle. Mais quand on tient civil, quand on me porte plainte, quand on me fait valoir, mon sérieux, il a déposé de l'oublier. Et bien, c'est pour ça que je fais confiance, pour être capable d'attirer l'attention publique, attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale, côté l'État qui a, gouvernement ça, gouvernement criminel, ça, c'est qu'il a, il a fermé la justice, et puis il a marché volé, déposé de pays, ni paysans, ni diaspora, ni moun ki en Haïti, de pour bien yo, parce que moun yo pa gen recours pour ça. De moun ki nan diaspora, dossier dans tribunal, mwen engage avocat pour accompagner moun yo, pour capable défendre intérêt yo, tribunal fermé pa gen jou. Alors que nan même jis ça, même tribunal ça que nous au courant fermé, yon décision sorti, kap exécuter moun ki vrai propriété. Les vrais propriétaires maintenant, tu as besoin de recours, il n'y a pas de côté pour le faire. Ça veut dire que nous prenons une mafia organisée, et c'est pour ça que nous avons besoin. Il n'y a pas de caille pour dormir, il n'y a pas de caille pour mettre pardon, pour mettre petit. C'est des gens qui sont en dehors sans caille, ils marchent parler toute journée dans la radio, pour nous assurer pour pouvoir, ils profitent des moments, ils marchent voler bien. Quand nous avons besoin de pour qui ça, CSPJ, en tant que pouvoir d'organe, en tant que pouvoir qui a pour contrôler le fonctionnement de la justice, comment ministère de la justice, comment pour avocats qui vivent des tribunaux,
pas faire aucune contestation, pas faire aucun bruit, pas parler sous question ça côté nèg yo, fermer partisan dans la justice. Alors que vous pas qu'être un cap souffri, moi de propriété témoigne, c'est gado ouais mon a travail sous terre. Eh bien, premier devoir, ça le juge de paix fait comme ça. L'enfant fait comme ça, pas qu'à aucun côté avec. Et puis, c'est des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Cacheter tes ça, cacheter ça. Eh bien, nous pensons que la conférence matin, c'est une conférence pour nous faire constat sur ça, nous te cabrelé. Non, dysfonctionnement de la justice de façon réelle. La justice a fonctionné pour la mafia. Le gouvernement a besoin de persécuter le monde. Ou a besoin de juge d'instruction. Le gouvernement a besoin de régler l'affaire. Ou a besoin de juge. Mais quand ces populations qui gagnent un dossier pour t'apporter devant la justice, pour la justice t'a dit un mot pour permettre que ça ne perde pas bien, eh bien, c'est son scandale. Moi-même, c'est peut-être ça matin. Hein? Et j'ai accompagné maître Moussi, qui est avocat, nous. Et nous comprenons. Si avocat lui-même, qui sont pour faire ou est bon club fait ça avec lui. Pas besoin d'où pour moun qui pas gen voix pour maler ak malheureuse que y a déjà payé. Eh bien nous pensons jodi a dossier ça nous ta remè que la presse capable questionner puisque nous gen accès de nous gen micro c'est nous qui sel nan manger a. C'est nous qui capable ouais monsieur dame ça qui prend pays en otage pour nous ta connaît pour qui ça l'état haïtien fermé section ça qui parlait de section civile parce que gen pénal des tribunal, des tribunal correctionnel, oui, il a créé des moyens. Soi-disant, il a fait audience correctionnelle. Mais pour qui ça pas jamais gagné siège qui prend pour ta gagner des audiences civiles. Parce que audience civile là, il permet aux gens qui ont caille 200, 300, 400, 500 000 dollars jusqu'à 1 million de dollars. Il perdit, alors que nèg la fait théâtre parce que il libéré un prisonnier, il était arrêté à l'image. Pas de problème. Des prisonniers, oui, bon combat contre ça, prison et préventive prolongée. Mais qui ça nous dit avec les gens qui ont magasin, avec les gens qui ont terre, avec les gens qui ont cas, avec les gens qui dans les affaires? Avec dit, son pays qui ferme, pour personne ne pas venir investir, et bien, il ferme ça, le tribunal qui est là pour organiser les audiences civiles, parce que nous-mêmes, nous mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les nantis, mon éditorial, je dis tout. Mon éditorial. Et bien, sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle, nous bras le débat.